Et bonjour à tous, bonjour à toutes pour cette vidéo promotionnelle à l'occasion du live qui va suivre ce week-end. Et du live, il y en aura, hein, parce que je vais passer pas moins de 14 heures à minima à vous présenter la compétition de ce week-end sur la Millennium TV 3. La compétition de ce week-end, alors vous allez la voir en image, c'est... Waouh! Le délire d'effet technique, ça envoie du steak. Et donc vous l'avez compris, c'est Lynsalan qui accueillera en son sein un tournoi Team Fortress 2 avec 11 équipes et 1200 euros de cash prize. Et donc ce tournoi, nous allons suivre du côté de Millennium, Lynsalan donc qui accueille hein, pour la quatrième fois, je pense, je dirais quatre ou cinquième fois, Team Fortress 2. Vous voyez là hein, sur les images qui défilent à côté de moi, hein, une très belle scène, une très belle infrastructure en général et un très très beau tournoi qui vaut vraiment vraiment le coup d'être suivi. Et donc, où est-ce qu'il sera suivi? Eh bien, il sera suivi sur le site de Millennium. Le site de Millennium, si vous n'avez pas l'habitude de nous suivre en live, c'est l'occasion hein, de passer du VOD au live. Via Millennium, www.millennium.org, comme affiché tout en haut là-bas. Hop! Et donc, c'est assez simple pour rejoindre la TV3. Hein, il suffit d'aller sélectionner l'onglet MTV, sur la page d'accueil. Puis, parmi les TV, de sélectionner la Millennium TV3, qui là actuellement, hein, vous le voyez en au-dessus en bleu, affiche du Call of Duty Ghost. Mais ça ne sera bien sûr pas le cas ce week-end. Pas le cas ce week-end. Et donc, nous suivrons ensemble et essaierons de couvrir au maximum l'intégralité des matchs, en tout cas les plus intéressants, de cette Insalan 9, où donc, je le rappelle, 11 équipes TF2 seront en live à Rennes pour s'affronter les uns avec les autres des coups de tatane. Et il y aura à la clé 1200 euros de cash et du lot, du gros lot. C'est à partir de 14 h dimanche, samedi, excusez-moi, samedi à partir de 14 h, et la grande finale, cette fois-ci, hein, ce sera bien dimanche à partir de 11 h. Alors le samedi, hein, ça commence à 14 h et ça finit à pas d'heure. Les organisateurs m'ont dit 1 h 15, 1 h 30 pour le dernier match. En général, il y a une bonne heure à la louche, hein, facilement, de retard dans les compétitions live. Donc on peut s'attendre à être ensemble une bonne partie de la nuit. Et puis la grande finale, c'est à 11 h, théoriquement pétante. Le lendemain, bien nombreux, lol, hein, c'est écrit en bas, hop, par là, bien nombreux, lol. Voilà, donc n'hésitez pas vraiment à faire l'expérience du live. En plus, on peut parler ensemble, hein, il y a un chat via IRC qui nous permet de communiquer, communiquer ensemble tout en suivant les matchs. Donc vraiment, venez nous suivre en live sur la TV3, ça sera donc l'Insalade TF2 demain et après-demain à partir de 14 h demain. À demain!